mille, les choses se passent ici dehors. Donc, le 14 février, comme cela, pendant que certaines personnes fêtaient, certaines personnes étaient là pour laisser certains commentaires. Donc, déjà, ils étaient là pour regarder le ventre de cette actrice. Est-ce qu'elle enceinte? Est-ce qu'elle a accouché? Et tout, et tout, et tout. Vous tous, vous vous rappelez de cette actrice au nom de Chizi Alichi, qui est une actrice très populaire au Nigeria, dans le Nollywood. Et nous avons fait son mariage ici. Je pense que c'était en 2020 ou 2021, comme cela. Donc, elle s'est mariée à un milliardaire aussi, selon ce que j'ai compris, ok? Et même avant son mariage, ses collègues et tout, elle avait déjà dit cette histoire sur ses vidéos et tout ça, comment les gens disaient, oh, tu ne t'habilles pas bien, tu ne portes pas les vraies mèches et tout, sans connaître qu'elle avait ses projets construits à la maison à sa maman et tout. Bon, l'histoire est sur ma chaîne YouTube, pour ceux qui ne connaissent pas, allez juste là-bas pour être, pour connaître tout ce que vous voulez sur cette actrice nigériane, ok? Donc, le 14 février, comme cela, son mari a fait une petite surprise. La vidéo est sur sa page Instagram, en tout cas. Donc, on a fait une petite surprise pour elle et tout. Elle était si contente. Et depuis qu'elle s'est mariée, maman, les yeux des gens, il dit, hein, chacun est là, il regarde. Est-ce qu'elle enceinte? Vous connaissez que nous, les Africaines, c'est comme cela que nous sommes. Vous connaissez déjà. Quand tu te maries, un an passe, deux ans passe, trois ans, la maman, on commence à regarder que c'est que comment est maman, l'enfant est que où est. Vous connaissez nos familles africaines. Et sans oublier les commentateurs africains aussi et les gens qui connaissent trop, les gens qui disent que quand tu te maries, là, tu es censé avoir un enfant sans même perdre de temps, sans même finir tes projets. Que même si tu as quelques projets, oh, tu dois d'abord faire un enfant pour donner à ton mari, pour prouver que non, toi-même là, tu es capable de faire un enfant. Et dit que là, voilà, depuis qu'elle s'est mariée, alors on ne sait pas si elle cherche seulement, on ne sait pas si c'est elle et son mari qui ont pris la décision que voilà, on doit faire notre enfant en telle année. Vous connaissez, chez les Blancs, c'est comme cela. Tu peux te marier aujourd'hui, tu fais ton programme que voilà, je vais commencer à faire mes enfants en telle année. Mais chez nous, les Africaines, quand tu veux un peu faire le projet comme cela, on te dit que maman, tu es africaine, on a besoin d'entendre l'enfant là faire nien chez toi. Voilà que elle a mis la vidéo, comment elle célébrait la Saint-Valentin avec son mari milliardaire, comment il a fait la surprise, elle était si contente et tout, voilà un commentaire, voilà une personne qui ne se mêle pas de ses PB comme les Miss Congossa, mais pour les Miss Congossa c'est un peu différent, parce que nous les Miss Congossa, tu ne peux pas me voir aller dans un commentaire, commencer à commenter un genre, moi je passe ma route, ça ne me concerne pas. Oui, voilà quelqu'un qui vient en commentaire, dit que, maman, je prie que Dieu te donne l'enfant. On peut faire ça. Hey! Même si Chizi avait dit que non, là où elle est là, elle ne peut pas avoir de l'enfant. Elle dit que Dieu te bénisse avec le fruit de quoi? Hey! Et elle met amen. Voilà Chizi qui vient en bas du commentaire, dit que maman, tantine, va d'abord régler tous les palabres dans ta famille là. Prie pour ta famille et ta part de vie d'abord. Améliore ta part de vie d'abord avant de venir prier pour moi d'avoir un enfant ou bien pour Dieu de me bénir avec un enfant. Voilà un autre commentaire qui vient en bas, dit que mais Chizi, est-ce qu'elle a mal parlé? Mais ça, elle priait seulement. Voilà l'autre commentaire qui vient dire que hein, priez seulement. Elle vous a dit qu'elle est en train de chercher. Mêlez-vous de vos palabres. Ne venez plus commenter ce qu'on ne vous a pas demandé. Oh. Il fallait voir comment les gens se sont engagés sur le commentaire. La maman, il dit, mais la majorité des commentaires, c'était positif et tout. Oui. La famille. Dans la vie, si chacun a ses palabres, il dit que c'est la toiture, si là. Quand nous, on grandissait encore, je me disais que non, telle personne est parfaite. Quand tu regardes une créature de Dieu, tu te dis non, telle personne est parfaite et tout. Chacun a ses palabres. Toi qui viens même laisser le commentaire, là, tu as aussi un palabre que tu demandes à Dieu que, ouais, papa, tu vas m'aider quand? Chacun là a ses palabres. Donc, ce qui fait
Vous ne pouvez même pas connaître. Peut-être elle là où elle est là depuis qu'elle s'est mariée. Peut-être elle va à l'hôpital. On dit non, tu es bien, ceci, c'est là et tout, mais elle-même, elle cherche, elle ne voit pas. Ou bien ça peut aussi être que elle et son mari, ils n'ont pas voulu faire les enfants tôt. Parce que de nos jours, auparavant, nous, on faisait nous les enfants, c'est man, pam, 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 pam. Ben, de nos jours, maintenant, les choses coûtent vraiment du genre, même la couche. Il y a dit, même c'est la couche étape des enfants, là. Ça coûte déjà du genre. Quand tu veux faire un enfant, maintenant, tu réfléchis. Tu dis seulement que, oh, Seigneur, merci, oh, de m'avoir fait même accoucher, même tôt, là. Parce que maintenant, ceux qui font les enfants maintenant, là, non, oh, maman, ils ont de l'argent, hein. Je vous assure, ils ont de l'argent. Et aussi ça, il est bien vrai que non, c'est une jeune fille qui venait de se marier et tout. Selon la culture africaine et tout, bon, elle doit donner naissance à l'enfant pour donner à son mari et tout ça. Bon, voyons de deux côtés, ça peut être que ça ne vient pas, ça peut être que eux aussi, ils sont en train de chercher. Et quand quelqu'un cherche quelque chose, tu viens laisser déjà des commentaires comme cela, c'est pour envoyer cette personne où? Oui, c'est pour faire, donc, c'est pour réellement envoyer cette personne où? Peut-être, tu sais, là où elle est là-bas, là, elle doit réfléchir que, yeah! Hein? Les gens ont toujours l'œil sur son ventre. Elle poste quelque chose, on dit que maman va nous amener l'enfant. Elle poste ceci, on dit que yeah, vous voulez que la fille s'y fasse quoi, maman? Parce que même les gens qui se sont mariés derrière elle dans le Nord, ils ont déjà eu les enfants, mais en tout cas, chaque chose a son temps.